assister à la cérémonie de passation de commandement, nous avons le privilège d'accueillir notre nouveau commandeur en chef, le lieutenant-général Derby Guerrier. Le lieutenant-général Derby Guerrier, fort d'une carrière remarquable et d'une expérience précieuse, prend aujourd'hui les rênes de notre institution avec un engagement résolu. Je vous invite donc à accueillir le lieutenant-général Derby Guerrier, qui va maintenant prendre la parole pour nous adresser ses propos de séance. Le sage. L'histoire, la grande, celle qui laisse de côté les aspérités et les intérêts mesquins, se souviendra qu'à un moment où le dédain d'une certaine frange de notre société couvrait l'armée, vous vous êtes dépassé pour faire luire les sabres et restituer l'honneur à notre institution. Face à cette situation de grande crise qui ébranle notre pays aujourd'hui, l'heure n'est pas aux longs discours, mais de préférence aux grandes actions et à la sobriété. Officiers, sous-officiers, soldats, resserrez les rangs, pour une collaboration agissante en vue d'aider notre pays à se relever doucement mais définitivement du bourbier dans lequel il est plongé. Nous espérons et attendons nos conseils et suggestions des réformés et retraités pour raviver la flamme et rapporter la paix dans les foyers et dans les cœurs de tout un chacun. Une paix On attend depuis longtemps. Merci. Agissons vite et très vite. Merci. À la remobilisation des forces armées d'Haïti par le feu président Jovenel Moïse, le colonel Derby Guerrier fut appelé le 6 mars 2018 à regagner les rangs de l'armée en qualité de responsable de la logistique G4 de l'état-major aux côtés de ses camarades de la promotion 1974-1976, Jovenel Lesage, deuxième de la promotion, Jean Jonas, Jean-Robert Gabriel, Emmanuel Azema. Il démissionna alors de ses fonctions de responsable des agents de sécurité du Conseil électoral provisoire qu'il occupait depuis 2008. Le colonel Derby Guerrier répondait ainsi à la fin de l'histoire. Je voudrais saluer ici de façon spéciale la vision éclairée du lieutenant-général Jovenel Lesage qui prit les rênes des forces armées d'Haïti dans une conjoncture peu favorable à sa remobilisation tant sur le plan interne qu'externe et les conduisit avec pondération jusqu'à ce moment fatidique d'instabilité marquée de guerre des gangs armés contre la population. En effet, frappé par un embargo à l'issue du coup d'État de 1991, les forces armées d'Haïti ont été stigmatisées puis démobilisées par arrêté le 6 janvier 1995. Sous le leadership du commandant en chef Jovenel Lesage, les forces armées d'Haïti ont conquis
la reconnaissance du public. La crise sécuritaire aidant, elles en viennent à manquer à l'appel du peuple souffrant, victime d'exactions des gangs qui terrorisent la population, déstabilisent l'État, mettent à mal la police nationale d'Haïti, seule institution en charge de la sécurité de la nation. Les forces armées d'Haïti ont su reconquérir la confiance de la population, se rappeler à l'attention de la communauté internationale en prouvant son utilité. Ce sont elles qui protègent la Banque de la République d'Haïti, le port et l'aéroport de la capitale. Renforcées dans ses capacités en effectif et en matériel, elles viendront aux côtés de la police nationale rétablir la sécurité et la paix partout sur le territoire national pour le bonheur du peuple haïtien. Monsieur le lieutenant général, commandant en chef sortant, retraité, au nom du peuple haïtien, en mon nom, au nom du Conseil présidentiel de transition, je vous remercie pour tout le service rendu à la patrie commune. Mesdames, messieurs, monsieur le commandant en chef, Derby Gerby, vous accédez à la tête des forces armées d'Haïti à un tournant décisif de la vie nationale marqué par une crise multidimensionnelle greffée sur une insécurité chronique menaçant les fondements de la nation. Je compte sur votre dynamisme, votre expérience des enjeux électoraux, votre connaissance de l'institution militaire pour lancer avec la police nationale, assistée de la mission multinationale d'appui à la sécurité, les grandes batailles contre l'insécurité, mais aussi et surtout pour la stabilité des institutions, la restauration de l'état de droit, facteur indispensable au progrès économique et social. J'en profite ici pour saluer tous les partenaires qui ont développé une coopération avec les forces armées d'Haïti en lui apportant une assistance technique en matière de formation ou d'équipement. Le concours de recrutement lancé par le ministère de la Défense participe du renforcement de cette institution qui a créé l'État d'Haïti, après avoir conduit la seule révolte d'esclaves réussie dans l'histoire universelle. Haïti ne se conçoit pas sans son armée. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, vous êtes héritiers de cette armée de l'indépendance qui a changé la face du monde. Soyez-en fiers. Les problèmes du moment seront surmontés et les forces armées d'Haïti joueront pleinement le rôle qui est le sien de la construction de ce pays nouveau dont nous rêvons tous. Mesdames, messieurs, monsieur le commandant en chef, je voudrais vous inviter à tirer les leçons de la démobilisation et faire en sorte que les forces armées d'Haïti soient une armée de métier, disciplinée, respectant scrupuleusement la suprématie du pouvoir civil sur l'institution militaire. Le peuple haïtien qui a tant souffert dans sa chair, dans son esprit, dans ses biens, le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République, attendent que les forces armées d'Haïti, de concert avec la PNH, la police nationale d'Haïti, appuyée par la mission multinationale de soutien à la sécurité, extirpent de l'environnement national les bonnes armées, consolidant ainsi tous les efforts autres et multiples pour inscrire le pays définitivement dans la voie du développement durable. Demain, un autre pays. Je vous remercie de votre attention.